Voilà, salut les potos. Avec tous ces symboles sataniques et tout partout, je pense que vous devinez ce qui va se passer. On a finalement réussi à aller en enfer. Eh oui. Enfin, réussi, je sais pas si c'est une réussite, mais on va aller en enfer. Regardez ça. C'est donc à ça que ça ressemble l'enfer. Je suis toujours demandé. Pour moi, c'était plus rouge que ça. Mais apparemment, c'est comme ça. Évidemment, même en enfer, il y a des petits secrets, ça. On va pas se mentir. Pas se cacher. Même en enfer, il y a des secrets. Ils ont quand même designé l'enfer, quoi. C'est pas mal du tout. C'était quoi ce bruit? Quelqu'un qui a parlé? Oh putain, j'imaginais pas du tout l'enfer comme ça, moi. J'imaginais vraiment rouge et incandescent. Avec de la lave partout. Genre typiquement le Nether de Minecraft, ça c'est l'enfer. Mais ça c'est pas l'enfer. C'est l'enfer vu par Doom. C'est pas du tout l'enfer, ça c'est juste le royaume des morts. Ouais, ça me fait un peu penser au royaume des morts de Darksiders 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons installer l'appareil dimensionnel dans le tombeau. Utilisez les perches lumineuses pour baliser le chemin. C'est comme dans Diablo 3. Quand il y a les hologrammes. Putain, c'est là que je me rends compte que j'ai joué à trop de jeux en fait. Ah, c'est pour. Ils viennent de dire que c'est pour baliser le chemin. Donc en gros, je dois suivre ces trucs. Putain, on dirait pas l'enfer, on dirait la chambre d'un jeune adolescent qui kiffe le death metal. Tout simplement. Ok, de l'armure. Je peux aller là-bas? Bon, clairement que j'y aille parce qu'il y a des trucs. Là aussi, il y a des trucs. Oh, sinon, on s'emmerde pas, hein. Et voilà. Ça prend un peu plus de balles. Ça aussi, ça prend un peu plus de balles, mais bon. Non, quoi que les explosions, ça. Oh, pas mal, c'était un headshot. Eh oui, c'était un headshot. Vas-y, prends ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Fusil Ghost. Mais là, on a fait pas mal du tout. Il y avait des trucs par terre, voilà. Oh, t'es basse, ok. Ils sont en forme. Hein. Ça, il fait quand même exploser. Ça les fait effectivement exploser. Et encore. Je peux aller là-dedans? Non, ok, c'est bon. Faut éviter. Pardon? Faut éviter le vert, du coup. Je voulais voir s'il y avait un truc en bas. Il n'y a rien. Ok. On récupère de l'essence pour la tronçonneuse. D'ailleurs, tiens. On va essayer sur lui, tiens. Ok, deux coups, il meurt. Et eux alors? Ok, pareil. C'est quand même plus pratique que mes autres armes. Lui, évidemment, il explose. Mais on se doutait, c'est un petit faible. Lui aussi. Putain, c'est quoi ce cadavre? J'en sais rien. Putain, y a des trucs partout! C'est quoi ce machin? Dans tous les cas, c'est mort. Tac tac. Ok, on va aller là en bas. J'ai vu un truc rouge qui bougeait. Ça avait l'air géant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y aura un truc
trucs à faire sûrement quand j'aurai une clé ou je sais pas quoi. Pareil pour là. Bon, à part ça, j'avais pas fini en haut. Pas du tout. Qui aurait pu croire que 12 c'était surtout de l'exploration, hein? Quand je disais j'avais pas fini en haut, c'est parce que ouais, là-bas il y a des trucs. Je sais pas comment j'y vais d'ailleurs. Droit à gauche. Ah non, mais c'est la porte jaune ça. Ouais, là par exemple il y a une armure. Secret trouvé avant. Où ça? Parce que l'armure, je crois pas que ça compte comme un secret. Hein. Peut-être que je peux aller là-bas en face. Ah, ça m'a l'air un peu loin quand même. Hein. Un peu beaucoup quand même. Oui, je sais que j'ai l'armure au max, mais. Peut-être là-dessus. Non, ok, c'est bon. On va essayer d'aller là-bas, vas-y. Ok, non. Ah, rigolo ça. Bon, alors j'avais pas assez de portée, mais j'ai surtout vu qu'il y avait un chemin à droite au dernier moment. Oh, Candingir Sanctum. Attendez, c'est là-bas que je veux aller. J'y suis. Non, pas du tout. Oh non, je dois me refaire ça, vraiment. C'est pas vrai, c'est une blague. Il s'est mis où mon nouveau canon? Il est là. C'est pas mal du tout. Ils ont vraiment tous repop. Mais tous sans exception. Dites pas que c'est là que j'étais au début, s'il vous plaît. Oh putain. Depuis le début, j'essaye d'atteindre la plateforme pour aller au début. Oh, fait chier. Ouais, bon, c'est vrai. Ça m'a saoulé. Que suicide-toi. Putain, cette vidéo, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est ridicule. Vraiment ridicule. Ridicule. Le pouvoir quoi de Danamèche qui vous permet d'influencer des dégâts? Non, sûrement. Je sais pas de quoi il parle. Je sais pas quelle langue il parle quand il dit ça. Ah, je dois encore recommencer ça. Joli ça. On va prendre celui-là. Putain, ça me fait reculer carrément. Je l'ai eu.
Comment je vais là-bas en face? On le voit qu'il y a un secret, en plus. Ah mais c'est juste de l'armure. Si c'est juste de l'armure, on s'en bat les couilles, hein. Et là, j'ai raté un objet de collection. Intéressant. Juste derrière moi. Putain, heureusement, je regarde la carte. Mais putain, mais tout est sur la map, en fait. Ah, il est derrière cette porte. Comment on ouvre cette porte? Alors là, elle est rouge. Qui dit rouge dit forcément explosion. Non. Alors, aucune idée. Donc là, on voit la poupée que je pourrais choper. C'est donc ça. Mais comment j'y vais? Comment je passe cette porte, putain? J'en sais rien. Ah! Ça sert à quelque chose ce truc? Ces cailloux là? Sûrement. Hein. C'est quoi là-haut? Ça m'a l'air d'être un secret. Oh! C'est l'interrupteur pour ouvrir la porte! Ça y est, j'ai compris. Il y a l'interrupteur pour ouvrir la porte qui est là-haut, je l'ai vu. Comment je vais là-haut? Comment je vais là-haut? Comment je vais là-haut? Je crois qu'il faut que je refasse ma petite séance d'escalade. Putain, tu serais tombé à côté, je t'aurais frappé. Putain, attendez les gars, on est sur un... Ah merde, ils sont encore là, là. On est sur un secret lourd, les gars, là. Faut qu'on... Oh non, oh ça suffit. Non, prends ça, s'il te plaît, prends ça. Voilà. Il est mort. Non, il est pas mort. Maintenant, lui. Lui, c'est comment il va finir. Voilà. Ouais, il le savait pas vraiment, mais bon, c'est moi qui le savais. Okay. Attends, il est en bas. Je me souvenais pas qu'il y en avait en bas. Voilà. Bon, alors, à mon avis, pour avoir ce secret, on le voit le point vert qui clignote en plus. Faut aller là, faut aller là, faut aller là, faut aller là. On prend ça. Ouais, c'est là où il y a le point vert en fait, c'est là-haut. Mais maintenant, comment j'y vais? Merde, je suis tombé. Alors franchement, à mon avis, ça va se jouer à de l'escalade au pixel près. À des endroits improbables. Mais quels sont ces endroits? Peut-être pas. Franchement, je sais rien. Attendez, il y a des trucs là-bas. Alors, je dois aller là, là où il y a la lumière verte qui clignote. Est-ce que j'ai vraiment moyen d'y aller? Est-ce qu'elle est où cette lumière verte en fait? On la voit pas sur la map. Enfin, je suis désolé, ça risque de prendre du temps. Ça m'a l'air vachement haut quand même. Ça m'a l'air vachement haut. Oh non!
Ok, il a voulu bugger un peu tout seul là. Pas trop compris ce qu'il a fait. Par là? Tu sais pas ce que tu peux escalader, est-ce que tu peux pas escalader en même temps? Oh là 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 là. J'avais l'impression d'être sur la bonne voie par là, mais. En plus, c'était écrit secret trouvé. Et là, je peux pas monter là-dessus, déjà ça. Ça m'embête un peu. C'est sérieux, sérieux ça? Je dois aller là? Il est même pas sur la map cet endroit. Je viens de voir du coup qu'il y a tout un terrain en dessous. C'est normal. Ah, c'est derrière. Ouais, tout ce qu'il y a là derrière, j'y vais comment? Hein? Ah, vous avez pas de réponse à ça? Comment je vais là-bas? Putain, ce qu'on se fait chier quand même. Ah, faut sauter par-dessus les barrières. Oh là 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 là. Faire un truc avec ça? Non, là je bloque. Hein. Écoutez, on va avancer en espérant que, un moment ou un autre, les chemins se rejoignent. J'ai l'impression que ça risque d'être le cas. On va voir. Parce que là, franchement, cette porte là-haut, elle m'a l'air complètement inaccessible. Regardez la lumière verte, elle est beaucoup trop haute. Beaucoup trop haute, même pour aller là. Alors je monte par là-bas. Attendez, il y a l'air d'avoir un chemin par là. Ah ouais, bah c'est par là. Sauf qu'il faut une porte. Il faut ouvrir la porte de l'autre côté, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, mais c'est chiant, c'est un cul-de-sac de merde. Ah, peut-être là en bas. Non, là, on va suivre la suite. Bon, on verra. Je comprends pas. Je comprends pas tout. Oh putain. Oh merde! Je voulais faire le double saut! Il a pété, non? Non, il a pas pété. Toi, t'as pété par contre. Il y en a deux, bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà, merci. Santé, santé. J'ai besoin de santé. Ok, il y a un gros. Il y a un gros. Bon, y'a plus de gros. Ah bah parfait, il s'est mis dans ma visée. Sans que j'ai besoin de rien faire. Ah, j'ai encore des petits soucis de visée, hein. Qui? Vraiment. Ou sinon on prend ça et puis fais pas chier. Voilà, merci. Ah.
Ah, c'est pas fini, putain. Voilà. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas jusque là. Bon, là, pour le coup, il y a vraiment une musique d'enfer. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Juste des flammes d'enfer. Le feu est vert en enfer. Putain, j'en peux plus, il y a des portes verrouillées partout. Ah, il y a déjà l'ouverture d'une porte ici, ça c'est pas mal. Laquelle ça a ouvert maintenant? Ah, celle là-bas. Ok. Là-haut, ça va où? C'est pas vraiment. Bon, si je crois bien, c'est ouvert ça, c'est ça? Apparemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Munition faible. Crâne jaune acquise. Qu'est-ce que c'est que le crâne jaune? Oh, c'est pour la porte jaune! Yes! Je comprends tout maintenant. On peut remonter du coup? Je pense que oui. Je pense qu'on peut remonter, oui. Mais par où on remonte? Oh, y a un truc vert là-bas, c'est quoi? C'est le feu. Ok, on s'en fout. Et ça, c'est quoi? Donc là, il faut un crâne bleu. J'en déduis. Et nous, on a un crâne jaune. Comment on remonte? Ah, c'est tout droit. Tout simplement ici. Attends. Eh non. Alors, ici. Voilà. Putain, ah, cette vidéo elle prend son temps. Hein. Ou peut-être c'est moi qui prends mon temps. Alors du coup, j'en déduis donc que ça c'est ouvert. Eh oui! Effectivement. Ok, est-ce que là-bas ça va me découvrir... Ça va m'aider à ouvrir la porte rouge. Oui, il y avait un truc là que j'ai raté. Bon, en vrai, il y a plein de trucs que j'ai raté. Ah! Au premier âge, lors de la première bataille, lorsque les ombres se sont allongées pour la première fois, putain, le recul. Regardez ça. C'est pas moi qui recule, hein, c'est vraiment l'arme qui... Je suis un peu con de gaspiller sur eux. Ça y est. Ça y est, ça y est. Fallait que ça arrive. Hein. Et de la santé. Oh non, non, pas lui. Non, je joue plus. Hein. Moi, je joue plus. Voilà, mets-toi devant, c'est parfait. C'est tout ce qu'il faut. Putain, mais c'est où? Oh, je pouvais plus reculer. Je pouvais plus reculer. Je pouvais plus reculer. C'est quoi cette arnaque? Il y avait, je pense qu'il y avait une marche d'escalier derrière moi, j'en sais rien. Mais... Un bout de caillou. La merde que c'est pas. La merde que c'est pas. Mmh, 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 mmh.
Qu'est-ce que ça a fait ça déjà? Je me souviens plus. Trois roquettes dans la gueule, ça lui fait du bien ça. Toi aussi ça fait du bien ça, tiens. Tiens, trois roquettes dans la gueule encore une fois. Je crois que ça l'a achevé. Eh oui. Oh, il est proche. Il était drôlement proche. Oui, mais cours en fait. Putain. Une fois que tu cours plus, je te frappe. On est bien sur le gun. On va se mentir qu'il est vachement bien. Quand même. Putain, tu m'aurais fait tomber dans le vide, je t'aurais. Je sais pas ce que je t'aurais fait, mais ça n'a pas été très beau. Voilà, toute cette santé. On va prendre ça. Pourquoi je prends pas ça depuis le début, sérieusement? Apparemment on a fini. J'ai un peu de la peine avec les affrontements. On va aller voir ce qu'il y a par là-bas. J'ai été là-dessous. Bon, on va dire que oui. Et là, ah non, j'ai pas été. Où j'avais été en fait? J'ai pas été là au bout par contre. Tout simplement de la vie. C'est quoi ces bruits? Pourquoi tu ramasses pas ça? C'est de la vie, non? Je sais pas. Je sais toujours pas qu'est-ce qui est quoi. C'est dingue. Dingue. Carte mise à jour. Ah bah voilà, c'est comme ça. Putain, j'y crois pas. Je me suis tellement pris la tête pour rien, moi. Je rêve. Fallait savoir qu'il y a des plateformes qui allaient pop aussi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Donc le secret n'était même pas vraiment un secret en fait. Parce que de toute façon la porte allait s'ouvrir. Ça faisait partie de l'histoire en fait que la porte allait s'ouvrir. Voilà, on a le truc, putain, c'était pas si dur. C'est pas dur en fait. Oh, la prise de tête, malade pour rien. Apparemment, faut aller sur ce truc vert. Il y a pas plein de trucs que j'avais ratés. Non, la porte jaune, j'ai ouverte. Plein de trucs au-dessous que j'ai raté, mais je crois que... Et si ça, en fait, c'est un ascenseur pour aller au-dessous? C'est exactement ça. Parfait. En tout cas, c'est un truc pour me téléporter. Donc ça, c'est le crâne bleu pour ouvrir la porte bleue qu'on avait vue avant. Je sais plus où elle est, la porte bleue, par contre. Ah, on arrive là! On arrive là!
prends ça. Oh non, de toute façon, j'ai la full armure. J'ai plus où est la porte bleue. Ah, il y a une boule violette là. On va prendre ça. C'est quoi? Ouais, bah, donne-lui un coup de poing dans l'œil, oui, tout ça. Nouveau mob. Ok. Qui m'a tiré dessus? Non mais toi t'es pas une menace. Ce serait pas la porte bleue là-haut? Je crois bien que oui. Oh non, pas ça. Finalement ça va. Avec le shotgun tout va en fait. Oh non, encore un gros. Quoi que je gère maintenant. C'est au début que ça allait pas, maintenant ça va. Prends de la vie. Merci. Qui vient les roquettes lui. Ouais voilà. J'ai plus d'armure. Par contre j'ai vu la porte bleue en chemin. Pendant que je me battais. Elle est là. Prends ça peut-être. Ah, c'est pas celle-là? Je peux pas? Ah, parce qu'il faut que je bute tous les ennemis. Parce qu'il y en a encore. Mais non, il n'y en a plus. Ah oui. Moi, j'ai pu le rater, sérieux. Vraiment? Vous avez vu tous les comment ça s'appelle? Tous les roquettes qui s'est pris dans la gueule? Il est pas mort. Putain, je reviens toujours pas quand je me suis pris la tête pour le secret de merde d'avant. Alors que c'était scripté. Putain de merde. J'aurais pu utiliser la tronçonneuse encore une fois. Un de ces trucs comme ça qui fait plaisir. On va peut-être le mettre dans l'armure cette fois. Quoique non, la santé encore une fois, vas-y. Santé, j'ai vraiment l'impression d'en avoir peu tout le temps. Peut-être c'est parce que je me fais toucher tout le temps. Le prochain ennemi, il va se faire tronçonner, moi je dis. Voilà. Ah, c'est n'importe quoi. Bon. Putain, la porte de Satan. Est-ce qu'on va affronter Satan? Ok, il y a des têtes de mort qui me foncent dessus. Oh, mais j'allais lui faire le finish move. On est à 35 minutes, c'est beaucoup trop à part ça. Beaucoup trop. Oh.
Beaucoup, beaucoup trop. On va plutôt. On va plutôt s'arrêter là et faire ce combat la prochaine fois, si ça vous va. De toute façon, vous pouvez pas me répondre, donc voilà. C'est quoi ça? Des gants! Ce sont tout simplement des gants. On se met là, en position accroupie, on va aller les chercher la prochaine fois. Allez, je vous dis salut, bye bye, et à la prochaine.